Le village. Moi, j'avais envie de parler de la Roumanie. Mon ami Georges, le chef, il est parti. On a vu toute une belle délégation. Ils étaient tous beaux en habit traditionnel. Alors, en Roumanie, on va se régaler les yeux parce que il y a des belles poupées roumaines. Mais on a de très belles charcuteries. On a des saucisses de porc. Alors ici, il y a un secret pour la saucisse. C'est une saucisse traditionnelle. C'est traditionnel de chez nous, de Roumanie. Il est fait maison et tout le pays, il y a tout le monde, son secret. Son secret de fabrication. On retrouve ça aussi dans nos régions. Et à côté, là, tu grilles. Là, il y a des viandes hachées. Ouais. C'est du trois viandes mélangées, du porc, ouais, mouton et bœuf. Oh, formidable. Alors ça, c'est vraiment la particularité, en tout cas de la Roumanie. Il faut retrouver beaucoup de charcuterie également. Donc c'est vraiment un pays à découvrir. Et puis avec des pâtisseries qui sont des pâtisseries un peu briochées. On va retrouver un peu chocolat. Qu'est-ce qu'on a ici? Brioche avec du noix, brioche avec voilà, des fruits coquillés, gâteau de chocolat avec des biscuits avec du noix aussi. Et ça, c'est chocolat fait maison. Voilà, donc vous voyez, la Roumanie, ben, ça vient... Vous ravir les papilles en tout cas. Donc c'est ici au village international de la gastronomie. Faut en profiter, on a jusqu'à 20h ce soir. On est dimanche, donc on se précipite au stand de la Roumanie.